s'est déplacé en personne depuis l'Irlande. Cet après-midi, en conférence de presse, Michael O'Leary, le PDG de Ryanair, vient faire une annonce redoutée depuis plusieurs mois. Malheureusement, à cause de la loi française, nous ne pouvons prendre le risque de baser nos équipages à Marseille. Et pour cause, en septembre dernier, la compagnie aérienne a été mise en examen pour travail dissimulé. Elle est accusée d'appliquer le droit social et fiscal irlandais à ses salariés français. Pour Ryanair, elle ne fait qu'appliquer le droit européen. La compagnie menaçait donc de quitter l'aéroport de Marseille-Provence, une menace mise à exécution. Tout Ryanair est régi par la législation européenne des travailleurs du transport. Parce que nos avions Ryanair sont enregistrés en Irlande, nous sommes libres de payer nos employés selon la législation irlandaise. Ils payent donc bien leurs impôts et leurs retraites en Irlande. La compagnie irlandaise fermera dès le 11 janvier 2011 sa base avion à Marseille, mais ne quittera pas la ville pour autant. Michael O'Leary se dit prêt à revenir en Provence si la loi française change.